Salut, salut les gars, voilà, c'est toujours moi de Samo Spita et vous êtes sur la chaîne de Monsieur le Russo 225. Voilà, j'espère que vous allez bien et chez moi c'est pas trop la forme, mais j'ai fait le nécessaire pour que au moins vous ayez les informations pour pouvoir postuler à ces bourses là qui viennent parce que il y a plusieurs étudiants qui veulent étudier en janvier en ce qui concerne les admissions et bourses. Donc, je vous présente ici une université au Canada qui est en province, voilà, à l'Université Québec. Donc, pour pouvoir postuler à ça, sachez que c'est une bourse et vous pouvez postuler pour l'admission et avoir aussi une bourse. Donc, ceux qui sont intéressés, essayez de postuler parce que ici, ils donnent assez d'admission aux étudiants étrangers, bien sûr. Voilà, donc, pour postuler à la bourse, c'est pas grand chose, vous n'avez qu'à postuler. C'est même chose comme c'est identique à la bourse de Montréal. Voilà, donc, vous n'avez jusqu'à postuler à l'admission, voilà, et le tout sera joué, c'est tout. Donc, pour pouvoir postuler, je vais aller vous montrer un peu le type de bourse. C'est une bourse d'entrée, c'est-à-dire, lorsque vous faites l'admission, directement, vous serez informé si vous avez eu une bourse ou pas. Donc, si je viens sur étudiant étranger ici, et que je clique là, vous allez voir que ça me renvoie sur le site des étrangers. Donc, si je viens là, je vais voir où il y a la bourse. Voilà, il y a la bourse ici. Certains programmes de bourse sont disponibles lorsque vous venez étudier à l'UQAD. Et il n'existe pas de bourse pour couvrir vos frais de déplacement. Des bourses d'exemption, des frais de scolarité majorés sont offerts au second cycle et au troisième cycle. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous voulez postuler comme ça, la bourse prend seulement en charge que la scolarité et non vos déplacements et tout ça. Voilà, donc tout ce qui va rester en ce qui concerne vos frais, vous allez vous-même les solder. Donc pour pouvoir postuler ça, si vous obtenez cette bourse-là, sachez que c'est juste pour les scolarités. Voilà, donc je crois que c'est la meilleure option. Et les autres, vous-même, vous allez vous en charger. Donc, si je clique sur ça, découvrir les bourses, ici, je vais aller rapidement ici, bourse pour les étudiants étrangers au doctorat. Donc, ceux qui font un doctorat, tous les étudiants, étudiants étrangers inscrits dans un programme de doctorat à temps plein, à l'UQAD, sont assurés de bénéficier d'une bourse d'études courant couvrant 100% des droits de scolarité. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous allez postuler, voilà, vous avez une grande probabilité d'avoir 100% des frais de scolarité. Bourse d'exemption de droits de scolarité majorés du gouvernement. Donc, il y a aussi la bourse du gouvernement. Annuellement, l'UQAD dispose d'une vingtaine de bourses d'exemption. Voilà, donc, c'est déjà OK pour ceux du doctorat. Maintenant, ici, les étudiants admis au doctorat qui n'auraient pas eu accès. Donc, ici, bourse d'accueil. Maintenant, on va vérifier là. Bourse d'accueil à l'UQAD. Moi, c'est de ça que je suis en train de vous parler. Pas à la bourse majorée du gouvernement. Les étudiants admis au doctorat qui n'auraient pas accès aux bourses d'exemption du droit de scolarité majoré de MES se verront offrir des bourses d'accueil équivalent à 100% du droit de scolarité majoré. Vous comprenez, ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si vous n'obtenez pas la bourse du gouvernement, majoré, directement quand vous avez l'admission pour venir étudier chez eux, directement vous avez une exemption de bourse, une exemption de droit de scolarité, c'est-à-dire vous n'allez pas payer vos droits de scolarité. Date limite, il n'y a pas de date limite étant donné que ces bourses sont offertes automatiquement. Aucun dossier de candidature n'est nécessaire. Votre dossier est automatiquement étudié lorsque vous êtes soumis au droit de scolarité majoré. Vous comprenez un peu? Ça veut dire quoi? Vous n'avez pas besoin de fournir des documents et tout ça. Vous allez directement postuler pour l'admission et lorsque vous obtenez l'admission directement, vous allez y étudier avec une bourse. Voilà, ça c'était pour ceux du doctorat. Maintenant, ceux de la maîtrise, profil recherche, c'est identique aussi. Avoir le statut étudiant, être admis et inscrit à temps complet pour un programme de maîtrise. Voilà. Ne pas bénéficier d'une autre bourse qui couvre l'actualité de scolarité. Et ici aussi, on dit que tous les étudiants étrangers inscrits dans ce programme de maîtrise au profil recherche à temps complet, à l'UQAD, sont assurés de bénéficier d'une bourse équivalent à 50% des droits de scolarité. Donc ça, vous allez avoir une bourse. Ceux du master vont avoir une bourse partielle. Voilà. Et c'est aussi identique pour les profils professionnels. Voilà. Donc ça veut dire quoi? Vous allez juste postuler pour une admission et voilà, c'est tout. Donc ce que nous allons faire, on va essayer de faire quoi? De postuler pour l'admission. Vous montrer un peu comment ça se passe. Voilà, c'est pas aussi compliqué que ça. Vous-même, vous pouvez le faire tranquillement. Maintenant, ceux qui n'arrivent pas à le faire, comme je vous l'ai dit, vous pouvez m'écrire une box, on va essayer de se comprendre et puis on va essayer de postuler pour vous. Voilà, donc ici ce qu'on va faire, on va aller dans admission ici. Voilà, vous allez voir les éléments d'admission, comment ça se passe. Vous allez choisir votre programme et tout ça.
Donc moi, je vais choisir un programme. Je considère que il vient pour le master's. Donc je vais choisir un programme ici, par exemple. Un programme en génie. Je choisis génie ici. Je vais choisir, par exemple, baccalauréat en mécanique, baccalauréat en génie, doctorat, maîtrise en ingénierie. Ok, donc je prends ça sur les licences. Moi, je prends maîtrise en ingénierie ici. Je choisis ça. Et par rapport à cela, je pourrais avancer maintenant pour aller chercher à avoir mes admissions. Donc ici, si vous regardez bien, et puis regardez très bien, parfois quand vous choisissez les éléments là, soit c'est à temps partiel ou bien à temps complet. Et puis, il y a des facultés qui sont seulement étudiées qu'à distance. Donc quand vous choisissez, regardez très bien les facultés qui sont étudiées à distance. Voilà, donc ici, ce n'est pas étudié à distance, vous pouvez aller étudier en cours du jour. Donc ici, il y a la session d'hiver, c'est-à-dire la rentrée de janvier. Donc je peux postuler pour la rentrée de janvier. Alors, je clique sur demande d'admission. Mais pour ce faire aussi, vous pouvez voir les conditions pour voir si vous respectez les conditions. Être titulaire d'un baccalauréat ou équivalent en sciences, moyenne culminée 3 ou bien 4, ça c'est bon. Posséder les connaissances requises, une formation appropriée, une information jugée pertinente. Ça aussi c'est bon. Donc, je peux faire maintenant mon admission. Voilà, donc je clique là, demande d'admission, et vous serez redirigé sur la plateforme pour pouvoir continuer. Donc après ici, je suis là, après là, je vais là et je vais là. Donc, préparez votre dossier. Moi, je viens pour le second cycle, je suis étudiant étranger, donc je viens pour le second cycle ici. Voilà. Donc, pour le second cycle, les frais sont à 75 $. Ceux qui ne veulent pas payer les frais, voilà, je vous dis automatiquement de laisser tomber cette bourse-là. Voilà, c'est pas pour vous. Donc, je dois préparer des frais de 75 $ qui sont non remboursables, une copie du relevé de notes du programme complet de baccalauréat, c'est-à-dire les relevés de ma licence, une copie du certificat de naissance, ok, un test, voir les consignes au président et à l'admission du programme, dans lequel le candidat décrit sa réalisation et impose les conditions de candidature, ok. Ça, c'est pas un problème. Trois rapports d'évaluation du candidat. Ces rapports doivent vous parvenir dans le meilleur délai. Formulaire ici disponible. Ces rapports ne sont pas requis pour les micros. Cycle, bon, ça, c'est pas un problème. Un certificat CV. Donc, ici, d'autres documents peuvent être exigés par certains programmes. Ok. Donc, vous comprenez déjà. Donc, voici les documents que moi, je dois mettre en tête pour pouvoir chercher à faire quoi, à postuler à cette bourse-là. Ok, donc je vais maintenant aller voir rapidement ici, voir les conditions ici. Je vois les conditions ici. On a déjà vu les conditions, donc c'est pas un problème. Déposez votre demande. Vous venez là, vous cliquez sur déposer votre demande et arrivez là. Veuillez noter qu'il est maintenant possible de déposer une demande pour les étudiants étrangers. Donc demande en ligne ici ou bien vous cliquez là. Donc j'ai cliqué ici pour voir. Vous allez voir directement pour qu'on puisse aller sur la plateforme pour pouvoir faire notre demande en ligne. Voilà, donc vous pouvez lire tout ce qu'il y a là. Actuellement, les éléments qui sont disponibles, on a quoi? Hiver 2023. C'est ce que moi je vais faire. Donc, je viens là, nouvelle admission. Donc, si je clique sur nouvelle admission, ça me renvoie sur la plateforme où je dois remplir. Vous voyez tout ce qu'il y a là. Accueil, après ça, entrevue, après ça, coordonnées, citoyenneté, programme, conditions, autorisation. Tout ça résumé. Après ça, ici, vous venez au paiement. Voilà. Donc, une fois que vous arrivez au paiement, c'est déjà OK. Vous allez pouvoir solder votre. Excusez-moi. Vous allez déjà solder votre candidature, votre admission. Et voilà. Et c'est tout pour pouvoir soumettre votre candidature. Voilà. Donc, ici, on dit quoi? Laissez-nous vous guider en vous posant des questions. Si vous n'êtes pas à l'aise de répondre à l'une de vos questions, vous êtes libre de ne pas répondre. Êtes-vous membre de Première Nation du Canada? Ça, non. Avez-vous un diplôme d'études collégiales au Québec? Non. Êtes-vous étudiant non canadien qui vient de l'extérieur du Canada? Oui. Ou avez-vous entendu parler du programme? Vous pouvez prendre Facebook. Voilà. C'est tout. Et vous cliquez sur suivant. Ok. Donc, arrivé là, qu'est-ce que je fais? Je mets nom de famille. Je mets un nom comme ça.
Ok, et mon prénom c'est... Ok, autre prénom, ça c'est important, c'est important. Ce qui est important, c'est ça. Donc, je mets mon email. Ok, donc je mets le mail là, ici. On me dit de veuillez ressaisir votre email. Ok, la suite, la date de naissance. Si je viens faire le master, donc je considère que je suis né peut-être en 2000, 2003 ou bien 2006. Donc, date de naissance, je vais prendre comme ça. Ici, je vais prendre 2006 ou bien 2004. D'abord, voyons 2004, février, le 4. Ok, en 2004. Donc, le sexe masculin. Langue français. Langue maternelle aussi. En français. Ok, numéro d'assurance. Vous n'avez pas de numéro d'assurance pour l'instant. Donc, c'est pas la peine de vous fatiguer. Vous devez saisir au moins le nom et le prénom de votre mère. Parents, ajoutez ici parents, lien de parenté, le père, le nom du père et le prénom du parent. Si j'ai choisi ici père, vous pouvez changer, vous pouvez choisir mère ou bien père, faites ce que vous voulez. Ok, donc ici je peux soumettre facilement. Ok, et je peux maintenant avancer. Ici. Ok, donc adresse canadienne, adresse internationale ici. Vous cliquez sur l'adresse internationale là. Au lieu de prendre cela, vous cliquez ici. Donc ici, vous choisissez le pays où vous êtes, votre pays d'origine. Si je choisis ici. Ça sera forcément Côte d'Ivoire. Donc, j'ai choisi Côte d'Ivoire ici. Municipalité ici. Donc, vous pouvez mettre la ville là. Voilà, ça ne change rien. Si je prends ville là, je vais mettre Abidjan ici. Ok. Numéro civique. Ça peut être votre appartement et tout, tout, tout. Mais vous n'êtes pas obligé. Le numéro de votre appartement et tout ça. Vous n'êtes pas obligé de le mettre. Voilà, donc ici la rue, vous pouvez mettre aussi la rue ici, si vous ne trouvez pas aussi, c'est pas un problème. Et le mot d'appartement aussi peut venir là, donc ici aussi c'est pas un problème. Donc si vous mettez la rue, vous mettez votre rue, c'est tout. Ok, ici code postal, vous voyez que l'élément n'est pas étoilé, voilà, donc ça veut dire que c'est pas vraiment important de mettre. Donc, si vous n'avez pas de code postal, vous pouvez mettre 000, c'est pas un problème. Il ne vous charge pas par rapport à cela. Donc, ici, cellulaire Amérique du Nord, non. Domicile Amérique du Nord, non. Travail Amérique du Nord, non. Donc, ici, je vais continuer en mettant suivant. S'il y a un problème, ils vont vous dire, vous allez aller rectifier cela. Mais s'il n'y a pas de souci, vous pouvez avancer calmement. Voilà, ici on dit vous devez saisir au moins un numéro de téléphone. Donc ici je prends le numéro de téléphone. Ici, si c'est non, je mets mon numéro de téléphone ici. Je vais mettre par exemple ici. Donc ici. Ok, donc on y va. S'il y a un souci, ils vont vous dire vous allez remettre. Ici, on dit quoi? Mais on a mis le père, on a mis aussi la mère. Ok, donc on ajoute un peu le parent, ici la mère.
Ok, je soumets ici aussi. C'est tout. Maintenant, on va avancer. Ok, donc ici, les choix de statut de citoyenneté au Canada sont proposés selon les réponses fournies à l'étape interview. Donc ici, je vais choisir statut canadien, visiteur avec permis de séjour pour études, visiteur diplomatique, visiteur sans permis, réfugié. Donc c'est le premier, visiteur avec permis de séjour pour études.